Bonsoir. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes bouillant? Waouh! Je vais commencer par vous remercier aujourd'hui parce que ces choses sont très très importantes pour moi parce que je suis un immense fan d'Halloween depuis petit en fait. J'ai pas vraiment grandi, oui, je fais toujours 1m20 mais j'ai toujours kiffé Halloween et je sais pas pourquoi en vrai. Je me suis jamais posé la question jusqu'à récemment, il y a genre 2 ans, je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que t'aimes à ce point-là le dark, tout ce qui est sombre, genre, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un de morbide, mais c'est vrai que j'adore les cercueils, par exemple. Alors, pas pour le fait que, voilà, ça représente la mort, pas du tout, c'est juste que je trouve que c'est un super bel objet. Voilà. Mais je vous l'ai dit, je sais pas pourquoi, hein, j'en sais rien. Mais je me souviens aussi, j'ai une image très forte dans mon village quand j'étais petit. Il y avait un magasin, tout simplement, de pompes funèbres. Je pense qu'on dit ça comme ça. Et il y avait toujours des cercueils en exposition. Et dès que je tombais sur un cercueil américain, noir laqué, j'étais... Waouh. C'est quand même incroyable. Voilà, c'est super bizarre. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça que je trouve ça cool, parce que... Je me suis posé la question, je me suis dit « Lo, est-ce que tu as envie de mourir ?» Et je me suis dit « Non, je n'ai pas envie de mourir. Est-ce que tu aimes la vie ?» Oui, j'aime la vie, vas-y. Mais en fait, j'ai l'impression que ce qui m'intrigue énormément dans la mort, c'est l'inconnu. C'est le fait qu'on se débat, en fait, ce qui est vrai. Parce que jusqu'à preuve du vivant, du contraire, pardon, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui se passe et on entend... Il y a des témoignages un peu chelous parfois, donc on peut dire « Oh, une honte, c'est du pipeau, d'autres disent non, bah, j'y crois, ben, voilà. » On a tous le droit de croire en ce qu'on veut. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit « Moi, j'ai envie de voir la mort comme peut-être comme une nouvelle aventure. » En fait, pas forcément comme quelque chose de négatif. Je le redis, j'ai pas envie de mourir. Hein, donc, et je n'incite personne à mourir, d'accord ? La vie est très belle, donc on reste en vie. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des gens, rien que le mot « mort », ça leur fait peur. Les gens, ils veulent pas y penser, ils disent « Bon, plus tard, on verra, après, bien après. » Mais pourquoi? C'est vrai, dans la société, ici, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont taboues. La mort en fait partie, mais je vois pas pourquoi. Parce que si ça se trouve, la mort, après, c'est là-bas la fiesta. Peut-être que si on travaille, on peut gagner de l'argent, on en a marre. Mais peut-être que quand tu passes de l'autre côté, hop là! On ne sait pas, d'accord? Donc évidemment, je ne veux manquer de respect à personne ou à aucun défunt, évidemment. C'est juste que je dois expliquer aux gens pourquoi Halloween est à ce point-là important, à mes yeux, parce qu'on a quand même décidé de faire 3 shows, 3 dates exclusives sur Halloween. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous remercier au début, parce que quand on a eu cette idée, je me suis dit, mais est-ce que les gens vont venir? Parce que ok, Halloween c'est cool, au stade c'est trop chouette, ils sont là, ils ont des bonbons, ils coulent dans tous les sens, c'est génial. Mais qu'on se le dise, en Belgique ça s'est un peu perdu Halloween quand même. Et donc je me suis dit, est-ce que les gens vont être réceptifs? Et quand je vous vois là, pour la deuxième fois, je me dis que j'ai quand même un public de fou. Et j'en suis, et je dis pas de tout ça pour être proche, enfin. Froid de balle ou quoi que ce soit, je suis pas un hypocrite, je suis pas un faux cul, je ne veux pas vous dire que je vous aime parce que vous êtes devant moi. Vraiment, je vous dis, et c'est sincère, c'est grâce à vous, tout ce que j'ai aujourd'hui, la scène que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et juste pour ça, je voudrais dire encore une fois, un immense merci. Ouais. Pour la chanson qui arrive, j'ai besoin de voir tout le monde. Clint, est-ce que tu peux m'éclairer? Voilà. Alors, je vais demander à tout. Et là, ils vont se dire, oh, t'as déjà. Viens d'arriver, tout le monde. Mais si. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Tout le monde. Alors, tout le monde.
Il n'y a pas que moi qui vais bosser aujourd'hui, les gars. Parce qu'il n'y a pas de choses en public. Voilà, je vous ai demandé de vous lever parce que la prochaine chanson, donc qui suit, c'est une chanson un petit peu rythmée et dansante. Du coup, j'ai envie qu'on se décoince un petit peu les hanches. Ok. On est samedi quand même, c'est le premier jour du week-end. On va fêter ça à fond, on va se décoincer un peu les épaules. Ok. Est-ce que vous êtes prêts à bouger ou pas? Et vous êtes prêts à bouger? Très bien, on y va alors sur Heartbreaker.